pas ouvrir notre manuel scolaire, c'est-à-dire notre livre, à la page 31. Dire où on habite, où on est, où on va. Où tu habites? J'habite à Nice, en France. Habiter, être, aller, plus les prépositions à, en, au, au. On va étudier ça en détail. A plus ville. Noémie habite à Paris. En plus pays féminin. Et terminer avec E à la fin. J'habite en Égypte. Alors, on met la préposition en avant les pays qui commencent avec une voyelle ou les pays féminins. Alors, j'utilise la préposition en avant les pays féminins et les pays qui commencent avec une voyelle. O plus pays masculin, tu habites au Maroc ou au Chili. Tu habites au Maroc ou au Chili. O avec X à la fin. Avec X à la fin, c'est pour le pays pluriel. Alors, O plus pays pluriel, précédé par les. Jean habite aux Antilles. Complète avec en, a, o, o. Ma sœur habite en Chine et mon frère est au Vietnam. Mes parents vont au Bruxelles, mais il habite aux États-Unis. Mon cousin est au Brésil et moi je vais en Afrique. Au Sénégal. Exercice numéro 2. C'est où? Regarde les dessins et fais des phrases avec les informations proposées. Exemple. Jean habite à Londres, en Angleterre, il est anglais. Maintenant, deuxième phrase. Nabil est à Luxor, en Égypte, il est égyptien. 1. Va à Amsterdam, aux Pays-Bas, elle est hollandaise. Boris habite à Moscou, en Russie, il est russe. Quatrième phrase, Katia va à Barcelone, en Espagne, elle est espagnole. Mario, c'est septième phrase. Mario habite à Lisbonne, au Portugal, il est portugais. Dernière phrase. Sixième et dernière phrase. Pablo est à Rome, en Italie, il est italien. Maintenant, notre menu projet, fais une liste avec 5 pays de chaque continent et cite leur nationalité. Attention, note bien, à l'Australie, on dit à l'Australie, on ne dit pas en Australie, on dit à l'Australie, à l'apostrophe Australie, on ne dit pas en Australie. On dit à l'Australie. Maintenant, on va lire toutes les phrases. 1. Nabil est à Luxor, en Égypte. Il est égyptien. Phrase 2. Anne va à Amsterdam, aux Pays-Bas. Elle est hollandaise en Hollande. Bruit
habite à Moscou, en Russie. Il est russe. 4. Katia va à Barcelone, en Espagne. Il est espagnol. Mario habite à Lisbonne, en Espagne. Il est portugais. 6. Fabio est à Rome, en Italie. Il est italien.